Donc bonjour à toutes et à tous, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo de Daigon. Les amis, aujourd'hui donc on va accomplir la mission que nous a donnée notre ami pour pouvoir récupérer notre moto. Allez, tout de suite c'est parti, on y va. Donc c'est quelque chose que Léon avait, mais quoi, je me souviens strictement plus du tout. Donc voilà. Donc c'est parti. Ah, faut qu'on intercepte une bande de drifters. Donc c'est bon, on a récupéré notre Dick, moto. Dick, attends, je voulais juste te dire, je suis désolé. Je savais pas, je te jure. Est-ce que t'as la moindre idée du temps que j'ai consacré à cette bécane? C'était une moto de drifter, Manny. Je sais, je sais. Je vais me rattraper, je te jure. Je t'ai monté une nouvelle moto. Parce que t'oses appeler cette merde une moto? Ah, je sais, en l'état... Écoute, je vais te décoter des pièces détachées. Je vais t'arranger le coup. Crois-moi. Ok, et pour mon réservoir perso, Manny? Celui que ma femme m'a offert quand elle était encore en vie. Pour ça aussi, tu vas m'arranger le coup? Putain, Dick, je suis désolé. Vas-y, dégage de mon chemin. Hey. Donc voilà, la seconde partie, c'est les drifters dans la montagne. D'accord, drifter, déjà je n'arrive pas à conduire la moto, alors là, à mon avis, ça va être beau. Donc le camp de Copland, c'est fait. Donc normalement, on a récupéré notre, pas de problème. Okay. Notre moto. Manny, écoute, laisse-moi regarder. Donc, voilà, inventaire. Ah bah, on peut ouvrir l'inventaire de la moto, c'est cool. Donc on va ouvrir l'inventaire de la moto. Non, c'est le nôtre, c'est notre inventaire. D'accord. On a ça, on a tout ça, ok, équipement, d'accord. Ah, matériaux, fabrication. L1. D'accord, non découvert. Tout ça, c'est non découvert, ok. Équipement et matériaux. D'accord. Et la fabrication. Ok, molotov, carreau. D'accord. Ok. Donc, menu inventaire. Et là, fabrication. Ouvrir, matériaux, ouvrir, accessoires, ouvrir. D'accord. Fabrication, on a quoi? Bah, en fait, on a à peu près les mêmes choses. Donc, ouais. Bon, tout ça, on le découvrira par la suite. Donc, nouveau point de compétence. Ok, donc ça c'est la moto qui nous a... Bon, enfin la moto, la merde, donc comme il dit si bien, ah ouais, c'est vraiment une grosse merde. Ah la sale sel. Par contre on a le réservoir, on a tout ce qu'il faut. C'est parfait, donc, au niveau du scénario. T'aurais dû te tirer, chercher les bandages pour Boozer, voilà. Donc on doit chercher des bandages pour Boozer dans l'UMM, dans l'UMM du Nero. Ouais, c'est ça. Ok. Donc on va faire ça tout simplement. Ça marche. Allez-y. On prend la moto. Putain, c'est pas une bécane ça. Voilà, dérapage. Tout en accélérant avec R2. Ok. On appuie sur le rond pour faire un dérapage. Déraper vous permet de prendre des virages plus rapidement. Déjà, faut que j'arrive à contrôler la moto. La moto, ce serait pas mal. Boozer, t'es là? Ouais. Parce que déjà... Comment ça va? Et toi? Elle est hyper galère. Je te l'ai dit, je survivrai. Ok. Je vais quand même voir au checkpoint du Nero s'il y a des bandages stériles, la pommade ou un truc du genre. Ok, pas de problème. Ok, je vais sortir. Par là. On vérifie qu'il n'y a personne dans le coin. Non, Boozer, non! T'es brûlé au troisième degré. Reste où t'es, repose-toi, d'accord? J'arrive le plus vite possible. Je crois que... Je dirais pas non à un truc contre la douleur. Ouais, si tu m'étonnes. Je vais voir ce que je peux trouver, je vais essayer. Ok. C'est là, au checkpoint du Nero. Faut que je trouve de quoi soigner le bras de Boozer. La moto quelque part en fait hein. Ok,
Se battre ou fuir. Ah, si vous avez assez d'endurance, appuyez sur le 3 pour sprinter. Ok, mais là j'ai pas besoin de fuir là. Fais comment pour sauter de là? Descendre de la moto, d'accord. Toi viens. Allez, prends ça, putain. Ils sont blindés. Ok, moi j'ai plus de soins, c'est cool. Là, les armes, j'en ai plus beaucoup non plus. On va essayer ça, carreau d'arbalète. Allez, dans le cul. Nickel. Plus de balles non plus. Ils ont rien. Ouais, on est mal là. Ok. On a plus de carreaux non plus. Et ouais. Ça n'en a plus non plus. Plus non plus. Ok, ça l'en a. Un générateur, il doit bien y avoir un générateur quelque part. Non, c'est une poubelle ça, j'ai pas envie de te cacher. Ok. Ça va pas s'ouvrir. On se ferme partout là. Pas moyen. Ok. Bingo, le voilà. T'as intérêt de marcher, t'as de ferraille. Faites le plein du générateur avec un bidon d'essence. Ouais, super. Bidon d'essence, où est-ce qu'on peut trouver ça? Il y a les autres en haut, je sais pas s'il y a du monde. On va voir. Il y a un petit con. Pas de bidon. Ok. Ouais, ce sera peut-être mieux que la batte, ça. Je pense, on va voir. Ah ouais, c'est pas mal. Ça a l'air de faire le taf. Lui, il a quoi? Ok, un chiffon. Là-dedans, est-ce qu'il y a un bidon? Non, c'est franchement un bidon d'essence qu'il me faut. Là-dedans, il y a quoi? Il y a rien. Ok. Caisse fermée, d'accord. Ok. Par là, un bidon, nickel. On l'a pris là? Un bidon d'essence. Nickel. On va retourner au générateur. Et on va mettre l'essence dedans. Ah, allez, zo. Voilà.
arrêter tous les mutants à la ronde. Ok. Par contre, je pense qu'on peut rentrer maintenant. Les haut-parleurs. Où sont les haut-parleurs? Bordage stérile. Où est-ce qu'ils ont rangé ces trucs? Là, on va prendre ça. Tac. On va prendre ça. Paf. Bandage stérile. Nickel. Pile ce que je cherchais. Il me reste plus qu'à ramener tout ça à Boozer. Tiens, salut, toi. Ok, injecteur de Nero. Vous trouvez des injecteurs dans l'un. Checkpoint Nero, utilisez-les pour augmenter votre santé, votre endurance et concentration de façon permanente. Quoi? Ok. C'est quoi ce truc? La technologie Nero? On dirait une espèce d'injecteur, peut-être. Pourquoi pas? Donc, santé, endurance, endurance, direct. Ah, bon, je me sens déjà plus fort. Bah, tant mieux pour toi. Voilà, parfait. Notre unité s'apprête à battre en retraite. L'ordre est tombé il y a quelques minutes. Tout ce qu'on a accompli ici, c'était qu'une perte de temps. Il y a des centaines... Ah, quelles armes? Ok, ça c'est toutes nos armes. D'accord. Personne affectée sur l'autoroute à l'extérieur de Farewell. Pas rien des arrêtés, les checkpoints sont tous envahis. On se retire! Ok, j'arrive. Attendez! Ok. C'est un peu le bordel là. Bon, on va se tirer de là. J'aurais dû tirer avec tes potes. Bienvenue dans mon monde. Abruti. Boozer, t'es là? Réponds-moi, merde. Il est là-bas. Il répond pas. Qu'est-ce qu'il est passé? Voilà, sauvegarder à la moto. Et là, je peux sauvegarder. Sauvegarde rapide. Voilà. Impeccable. Allez, c'est parti. Saint-John, c'est cool. Tu seras à la tour. Son radio a été coupé. Je peux te payer pour la rétablir. Tu les connais ces types ou quoi? Parce que faire taire parler des gros rayons, ça me semble assez personnel. Tu m'étonnes que c'est personnel. Vu c'est parti de mon camp. Apparemment, ça leur plaisait pas que je leur interdise de nous voler, de nous violer, de nous tuer. Bah, peut-être qu'ils étaient juste comme moi, qu'ils en avaient ras-le-bol d'écouter tes conneries de complotistes parano. Terminé. Là-bas, ok. Normalement, on doit plus être très très loin. Ok. Ok, je suis rentré chez moi en fait là. Il n'y a rien de tel que la ferraille. Tu peux te ferraille. Ah, puis il y en a d'autres, c'est nickel. Ok. Hey Boozer, j'ai trouvé des trucs pour ton bras. Est-il toujours là? Boozer? Et dans quel état? Merde, Boozer! Hey! Oh, putain! Bordel, tic. Il est pas mort. Impeccable. J'aurais pu te faire sauter ta tête d'abruti. Oh, montre-moi ton bras, d'accord? Non, c'est bon. Allez, fais voir ton bras! Je gère! Hey, putain! Hey Dick. Merci mec.
Écoute, j'ai moins tiré, d'accord? Ça va aller. Ok. C'est même pas mis le bandage. Donc voilà les amis. On va regarder d'abord un petit truc. Hop, au niveau du scénario. Voilà, scénario. Ouvrir. Quand on crève la faim, nettoyer le camp ennemi des maraudeurs. Ok. Donc ça sera la prochaine, le prochain scénario. Ok les amis, ben, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter un maximum hein, les amis. Moi sur ce, je vais faire une sieste. Hop, dormir. Je vais juste fermer un peu les yeux. Ça y fera du bien. On va attendre avant d'arrêter la vidéo, voir ce qui se passe quand on va se réveiller. Je pense que c'est bon. Ok, est-ce qu'il a gardé son frère en vie? Toujours pareil. Ok. D'accord, bah sur ce les amis, on va se laisser là. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. N'hésitez pas, je répondrai à vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous regardez les vidéos, abonnez-vous, vous en aurez d'autres. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.